Alors aujourd'hui, livre de Bernard Montault, Le Testament de l'Ange, les derniers jours de Gita Malache, Albin Michel, Espace Libre. Gita Malache qui se dit non pas l'auteur mais le scribe des dialogues avec l'ange. Et si vous ne connaissez pas le livre Dialogue avec l'ange, quelle chance vous avez, car maintenant vous allez courir l'acheter, vous le procurer et le lire, parce que c'est un livre fantastique, mais vraiment avec des phrases qui restent en présence, voilà, c'est le mot, en présence. Donc ce livre, c'est comme son nom l'indique, un livre sur les derniers jours de Gita Malache. Et donc, pour vous resituer un peu l'extrait que je vais lire, Gita, qui est une petite bonne femme, hein, c'est quelque chose de très chaleureux, hein, parce qu'on pourrait s'imaginer petite bonne femme, donc sans force, mais c'est tout le contraire, c'est énergique, à l'œuvre, et donc, là, au moment où je vais lire ce livre, c'est 2 jours avant sa mort, et donc elle est alitée et elle ne peut même plus se déplacer pour aller aux toilettes elle-même. Et il y a quelque chose que cette force de femme doit laisser et abandonner. Et c'est un passage qui est vraiment très beau. Et donc elle vit chez, en tous les cas vraiment pas loin, Bernard Montault et sa femme. Elle appelle Bernard Montault mon ours, pour beaucoup de raisons. Et donc, ils ont une association qui s'appelle Art As. Chaque chapitre commence par un petit morceau des dialogues. Samedi 23 mai, la vie a envie de notre génie. Le verbe est en vous. Cherchez, cherchez sans trêve. Celui qui cherche, trouve. Personne ne peut vous l'enlever. Mais vous, vous pouvez le donner. Le monde a soif. En vous, la source. Il est 17h. En se réveillant, Gita dit avoir passé une bonne nuit. Un nouveau pipi-caca m'oblige à une nouvelle toilette. Tu sais, je ne m'appartiens plus. Et pourtant, il m'appartient encore de l'accepter. Mourir, c'est accepter de ne plus s'appartenir. Parce que mourir, ça nous échappe. Cela rend l'événement sacro-saint. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu rabâches. Oui, mais je le redis, car c'est essentiel. Il n'y a que cela. C'est pas un grand mystère. Je ne sais rien de plus. Ne crois pas que je suis dans de grandes sagesses ou dans les hauts nuages, balivernes, tout ça, enfantillage. Je ne m'appartiens plus, mais il m'appartient de l'accepter ou de le refuser. C'est le pipi-caca sacré, tout est là. Mon Dieu, pardonne-moi, ce que tu vis, j'en suis si loin, alors tu peux bien te répéter. D'ailleurs, c'est étrange, en même temps tu es très loin et en même temps je te sens si proche. Mais bien sûr, celui qui mesure la distance est en train de la franchir. C'est cela la contagion de vie. Fais-leur sentir ta vie, alors ils seront vivants. Mais comment vais-je pouvoir servir les dialogues? Il n'y a que cela qui compte pour moi. M'aideras-tu de là-haut? Art As, donc leur association, sert les dialogues avec la simplicité de la vie. Servez avec le simple. C'est le seul service. Voilà, je vais passer à un autre morceau. Ne sois pas sauveur, celui qui se fait voir, mais aideur, celui qui fait voir. Immanquablement, je vais y retomber. Mon Dieu, c'est vrai, quelle hystérie! Ne te moque pas. La fantaisie, c'est ton piège, mais tu es grand aussi. Prends garde. Tu ne devras jamais être grandiose.
Seul celui qui est grand court le risque du grandiose. Ton piège, c'est aussi ta plus grande mesure. Mon ours, tu es très grand. Oui, mais en même temps, cette grandeur m'encombre. Je suis tellement un ancien petit, un ancien raté, que je ne sais pas me servir de la grandeur sans être faux. Oh oui, c'est ça. C'est une grande humilité qu'il te faut. Mon petit, rappelle-toi la guerre du Golfe. Tu voulais partir avec des enfants, pour te mettre entre les belligérants, pour empêcher le sang versé. Tu étais tellement dans ta vérité. C'est ta grandeur d'avoir pu y penser. C'est ta défaillance d'avoir cru pouvoir le réaliser. Rappelle-toi la guerre du Golfe. Soudain, cela me saute aux yeux. Son exemple est si parlant. Je me suis tellement démenée pour essayer d'éviter cette guerre. Mon Dieu, et dire que je suis capable de cette même démesure avec Arthas. Tout est dans la fréquence de ce qui se passe. Le corps, le cœur bat encore. Il veut donc encore s'exprimer. Voilà, je saute encore une page pour aller. Quelques instants passèrent. Le silence portait sur nos messages de tendresse. Il me sembla que rien au monde n'était plus juste que cette chambre. Et une crise d'étouffement se déclencha soudain. Tourne-toi, Magitta. Tourne-toi de l'autre côté pour mieux respirer. Tu sais, de l'autre côté, tu respires mieux. Mais non, ce n'est pas une histoire de côté. C'est la question du cœur, de la fréquence du battement de cœur. Tout est là, s'aligner sur la fréquence du cœur. C'est cela la vie, toute la vie, savoir s'aligner sur la fréquence de notre cœur. Que veux-tu dire ? On ne peut pas se battre contre cette fréquence. Le cœur impose sans cesse une fréquence. La vie a envie d'une fréquence. Si elle n'obtient pas cette fréquence, la vie se débat. Et bientôt, la vie ne bat plus. Il faut guetter la vie. Guetter selon quelle fréquence elle veut s'exprimer. Pourquoi me dis-tu tout cela au milieu de ta crise ? Pour toi, pour moi, pour Arthas ? Pour tout et pour ton œuvre surtout, parce que c'est le grand laisser-faire qu'il faut trouver. Tu entends ? Le grand laisser faire. Voilà, je pourrais continuer parce que les derniers jours de Gita Malash sont une ode à la vie. Et elle montre vraiment que jusqu'au bout, on peut avoir le choix. Et même elle, dans sa douleur, dans sa rédemption, de tout ce qu'elle va relâcher, elle va faire preuve de vie et encore de vie et encore de vie. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de le lire. Et puis, je vous dis à mardi prochain.